हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Vous avez assurément augmenté votre compte. Du niveau de gaspillage, une maladie physique, peut-être majeure au départ, initialement. Et elle apparaît comme une forme mineure, mais cela peut grandir quelquefois. Le camp de gaspillage continue d'augmenter, le camp de péché est séparé. Vous avez assurément alimenté votre camp de gaspillage inutile. La maladie physique peut ne pas être quelque chose de très important au départ. Elle peut n'apparaître que sous une forme mineure, mais elle prend ensuite de l'importance. On ne parvient pas à voir sa forme mineure, on ne voit que sa forme importante. De la même façon, si vous gaspillez, vous n'accumulez rien. Ainsi, le camp du gaspillage ne cesse d'augmenter. Il augmente et augmente encore. Le camp du péché est un camp différent. Celui-ci est le camp du gaspillage des trésors. Vous pouvez voir et réaliser très clairement les péchés. J'ai fait ceci aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle mon bonheur a disparu. En revanche, vous ne vérifiez pas autant le camp du gaspillage et vous vous dites « La journée s'est écoulée, je n'ai commis pas d'erreur. » Mais avez-vous vérifié si vous avez accumulé ou gaspillé le trésor élevé des pensées? Si vous n'accumulez pas, alors sur quel camp cela s'inscrira-t-il? Sur le camp du gaspillage. Intérieurement, vous pensez que vous faites beaucoup, mais vérifiez votre compte. Quel trésor ai-je accumulé aujourd'hui? Savez-vous comment effectuer cette vérification? Êtes-vous devenu ce qui vérifie? Êtes-vous devenu ce qui se vérifie eux-mêmes, qui vérifie les autres? Vous contrôlez vous-même intérieurement. Mais c'est plus facile de vérifier les autres parce que cela se fait extérieurement. Ainsi, Bab Dada voyait que vous gaspillez beaucoup le trésor spécial des pensées élevées. Et vous ne réalisez même pas si vous l'avez gaspillé ou utilisé à bon escient. Si vous l'avez gaspillé ou que vous l'avez utilisé de façon puissante. प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी और ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में
Om Shanti. Om Shanti. Transformer l'atmosphère avec le yoga volcanique, Tapasya. Le niveau d'un maître à l'autorité toute puissante. Vous êtes des serviteurs, vous êtes aimants, et vous avez une force et un soutien. Cela est bien, mais le niveau d'un maître à l'autorité toute puissante signifie le niveau de phare et de générateur. Donc maintenant, venez sur la scène. Faites en sorte que votre souvenir soit volcanique et tous viendront tourner autour de vous comme des papillons de nuit. Shanti, welcome to Bhakti Parivar. And today is the day first for month of August. Donc, c'est le premier jour du mois d'août. Du mois d'août, nous commençons une nouvelle série. Et le sujet est de transformer l'atmosphère avec le yoga volcanique à ta façon. Et le sujet pour ce soir est le niveau de maître à l'autorité de. Shanti, everyone okay? Shanti, tout le monde est ok? Est-ce que vous avez tous pratiqué le niveau du phare et du générateur? Je pense que quelquefois durant la journée, cette attention peut créer le niveau. Puisque Baba l'a dit hier, aucune pensée doit être perdue. Et Baba a parlé là aujourd'hui de ce camp des pensées perdues. Donc, il fait de créer que des pensées élevées. Donc, l'un est de ne pas avoir de pensées perdues, mais l'autre est d'avoir des pensées élevées, parce que les pensées élevées viennent de notre force intérieure, de notre propre force. Et les sentiments seront alors très forts et seront puissants. Et donc, nous devons pratiquer cela, les pensées élevées. Cela peut être comme des bons souhaits pour tout un chacun. Toujours être bienveillant, bien, remplir miséricorde. Et quand, et alors, automatiquement, les pensées élevées viennent. Donc, il y a deux choses. Le fait de ne pas avoir de pensées perdues est l'un, et l'autre est d'avoir des pensées élevées. Parce que cela vient dans votre compte aussi. Donc, le Murli a plein de pensées élevées sur lesquelles nous pouvons ainsi augmenter notre compte. À l'âge de confiance et celui du futur, tout cela dépend sur le compte des pensées élevées. Baba is making it more and more clear. Baba rend cela de plus en plus clair. Qu'est-ce que c'est que le niveau de phare et de générateur? Et l'une des méthodes que Baba donne, d'avoir constamment cette conscience que je suis un maître à l'autorité toute puissante. Et c'est très intéressant. Que je, depuis que j'ai entendu cela et que j'y pensais. Et cela pourrait être des pensées élevées pour le soi. Les pensées élevées ne sont pas seulement pour les autres. En premier, cela peut être pour le soi. Et donc, je deviens aussi la forme de l'autorité de la puissance, c'est aussi des pensées élevées pour le soi. Et si j'ai des pensées élevées pour moi-même, alors, automatiquement et de façon naturelle, j'aurai des pensées élevées pour les autres, parce qu'il n'y aura plus d'autres pensées possibles. Donc, cela semble être vraiment très bénéfique, spécialement pour ce mois d'août. C'est le mois où nous allons regarder chacun avec ce niveau de pureté, avec amour, avec cette connexion et cette relation pour tout un chacun.
Et tout commence avec les pensées. Et après les pensées, il y a les paroles, et ensuite il y a les actions. So, that means whatever, if there are ça signifie par rapport aux âmes qui errent, qui ont besoin de direction, si nous sommes dans ce niveau, alors les autres recevront une direction, tiendront une direction. C'est le pouvoir de décider, le pouvoir de faire aussi. D'envoyer le bénéfice, on a dit toujours, quand vous avez un niveau d'ascension, tout le monde reçoit du bénéfice. Et donc, c'est là que quand j'ai des pensées élevées pour moi-même, non seulement positif, mais c'est élevé, et automatiquement le pouvoir va pouvoir guider les autres comme des générateurs. Actuellement, ce que nous voyons, c'est juste le phare. Et qu'en est-il du générateur? On voyait le phare, il y a tant de vagues, tant de vents qui touchent le phare, il n'est jamais touché, il n'est jamais secoué. On voyait la lumière continuellement et continue d'avancer, de progresser, d'envoyer sa lumière. Elle ne s'arrête jamais de façon à cela. Donc, de la même façon, ma lumière ne doit pas être réduite. Elle devrait être constamment présente, être constamment présente. Donc, quand il y a les lumières, il y a aussi le pouvoir. Donc, nous allons utiliser cette méthode, ce genre de formulaire. Je suis un maître d'autorité. Ces jours-ci, Baba ne veut pas seulement que nous soyons satisfaits. Baba veut que nous ayons des efforts de haute qualité élevés. You are servers. Baba dit, vous êtes des serviteurs, vous êtes aimants. And you have one strength and one et vous avez une seule force et un seul support. Donc, je pense que c'est ce que nous avons dans notre vie. Nous devons traverser. Nous devons juste utiliser une seule force et un seul support. Et Baba, assurément, à présent, va nous nourrir. Baba dit que tout est bien, mais que le niveau de maître à l'autorité puissante demande ce niveau d'être un phare et un générateur. C'est donc cette connexion avec Baba, avoir cette conscience de maître à l'autorité toute puissante, d'être un phare et un générateur. Bien. Donc venez dans ce niveau. La plupart d'entre nous se sont prêts dès qu'ils sont prêts dès qu'il s'agit d'aller sur ça. Et Baba disait donc à la fin de ce blessing, de ce signe objecte, que toutes les âmes viendront comme des papillons autour de vous. Il y a différentes façons de faire du service. Distribuer des flyers, aller rencontrer des gens. Il y a différents programmes. Mais pour eux, pour qu'ils restent là autour, pour cela, vous devez être comme des phares et des générateurs. Parce que c'est ce que nous voulons, que les âmes puissent être restées présentes et puissent recevoir ce soutien de façon constante. Et donc demain, notre devoir,
Nous allons expérimenter cela, le niveau d'être un phare et un générateur. Ressentir le pouvoir. Donc, quand Baba nous demande d'être un phare et un générateur, il y a certainement une raison à cela, une signification. Parce que pour le service, le meilleur niveau dont nous ayons besoin, c'est bien celui-ci, de phare et générateur. Donc, vous allez réfléchir et journer sur cela et suivre Baba Baba parce qu'il était comme un phare et un générateur. Son drishti, ses paroles, sa façon de marcher, sa personnalité entière. C'était comme celui d'un maître à l'autorité toute puissante, de phare et de générateur. Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Good evening. Shanti à tous. Om Shanti Didi. Bonsoir. One of the things is, une des choses, when you were saying, les aspects, quand tu disais, en écoutant le signe du avyakt, je me demandais comment nous allons faire cela. Est-ce que nous allons faire un exercice de faire Janta, comment mettre cela en pratique? Par exemple, quand nous avons un certain moment, nous sommes assis là, nous pouvons créer cette conscience. Et donc, il y a cette connexion. Donc, certaines personnes disent, qu'est-ce qui vient en premier, les pensées ou la conscience? Ce sont les pensées qui créent la conscience, c'est ce que je dis. Et aussi, quand vous créez la conscience et que vous êtes dans un niveau ascension, cette conscience, la conscience vient en premier et ensuite commencez à pratiquer. Et donc, il y a une double connexion entre les pensées et la conscience. Donc, Gaur Baba dit que les pensées sont puissantes. Et la conscience aussi est puissante. Et donc, durant la journée, en créant cette pratique, en pensant, qualifier cet exercice de façon que vous souhaitez. Et de nombreuses fois durant la journée, vous pouvez avoir cette pensée comme peut-être, donc je suis un maître à l'autorité toute puissante. Un maître à l'autorité toute puissante, des pensées de maître à l'autorité toute puissante vont créer ce niveau. Nous invoquons aussi l'autorité. Donc, ayant une aussi belle expérience. Donc, quelque part, c'est une belle exercice d'un côté de l'autre. Durant l'appel du temps, l'un des participants, un frère, il gave to every Nivasi Sevadari participant a book. Il a donné un livre. Un livre sur les niveaux de conscience de dame. Donc, tout le monde a reçu tout le monde devrait avoir ce livre sur ce niveau de conscience de dame. Donc, je pense qu'elle parle du livre qu'elle a écrit dans ce niveau de conscience de dame. Elle dit oui, merci, c'est un blessing. Donc, je l'utilise vraiment comme des points de pratique. Faites-moi un instrument. Donc, je voudrais revenir sur le fait d'être un maître à l'autorité toute puissante. Niveau. Donc, juste avoir cette conscience que je suis un maître à l'autorité toute puissante. Et Baba est avec moi, c'est cela la conscience. Baba dit les deux. Baba parle de la conscience, mais aussi du niveau. Parce que quand je crée la conscience, ça devient un niveau. Quand le niveau est là, donc vous pouvez être un phare et un générateur. Cela est vraiment connecté. Parce que tout est question de comment est votre niveau. Donc, c'est ce que c'est le niveau de maître autorité de puissance. Donc, simplement,
mouvoir les pensées, créer la conscience. Il y aura ce niveau d'être un phare ou un générateur. Je ressens toujours et je me demande quelle est la différence entre le phare et le générateur. Mais aujourd'hui, quand tu en as parlé, la pensée est venue. Si tu es assez dans un niveau de phare, être conscient de la connaissance de Baba, de l'âme et de tout cela, alors le niveau de générateur est créé. Mais le niveau constant de phare demande ce niveau constant d'être un générateur. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'âme devient lumière et puissante. Et lumière et puissante, plus il y a cette pureté, plus la lumière augmente. Et à travers le pouvoir, vous pouvez voir la lumière, donc cela est connecté. Donc le phare est stable à travers une journée entière. Donc il y a réponse à lumière autour, il devient un guide pour les bateaux. Baba dit les âmes errantes, parce que, par exemple, certaines âmes ne sont pas capables de méditer, leur esprit est vraiment troublé. Vous êtes en face d'elles, elles seront guidées, cela pourrait les aider. Donc, je pense que ça devrait être expérimenté. Lighthouse, nous allons écrire un autre livre sur le niveau de phare et générateur. Baba dit dans le blessing aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Il a dit que... Non, je crois que c'est le blessing de demain. J'ai lu le milieu de demain. Donc, bon. D'une façon ou d'une autre, donc, les acquisitions, le bonheur, amènent la paix et le bonheur, les vibrations de bonheur. Ah, je crois que c'est pour le blessing de demain. J'ai lu le Murli pour l'Australie, donc j'ai dû lire le Murli de demain. Et le Baba a dit cela, il a dit que les vibrations, le bonheur et les acquisitions vont donner du pouvoir et de la paix aux âmes. Ce que tu dis est similaire. Tu dis que le fait d'être un phare et générateur, si vous êtes dans ce niveau de phare et de générateur, vous serez capable de réellement stabiliser les âmes. Actuellement, le sujet entièrement, c'est celui de transformer l'atmosphère ou de créer une certaine atmosphère. C'est notre sujet. C'est réellement parce que, par exemple, de nouvelles âmes viennent à Baba, elles regardent ensemble et elles regardent autour d'elles et elles ressentent les vibrations, elles ressentent l'appel. Et c'est ce que Baba veut dire. Si vous êtes capable de servir, créer des vibrations, créer une atmosphère et les âmes auront cette expérience. Et cela peut leur sembler réel, que c'est ce que je peux être, ce que je devrais être. De nombreuses âmes, quand ils viennent pour la première fois dans une maison de Baba, ils ont cette expérience. Les vibrations. Quand nous allons à Peace Village, les âmes disent « Oh, c'est très beau, c'est vraiment très propre. » Tout ce qu'ils aiment le plus, ce sont les vibrations. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de légèreté, c'était vraiment très paisible, c'est facile de méditer. Donc, ces vibrations qui ont créé par les yogis, quand ils viennent, et les yogis, quand ils viennent, aussi laissent cette atmosphère, l'atmosphère, cette vibration est créée, et cela aide les âmes. Yesterday's Murli Baba was saying that if you're a helper over a long period of time and if Baba disait hier dans le Murli, si vous êtes une aide pendant une période de temps, voilà, donner de nombreuses expériences très surprenantes. Est-ce que tu as eu des visions de l'âge d'or quand tu es venu à Gyan? Mon premier, c'était j'ai eu la connexion avec Shri Krishna.
C'est comme si j'avais eu cette vision. Cette scène de l'âge d'or. Raconte-nous. Je pense que Dadi Gulzar décrivait de façon très belle. Mais donne-nous ton expérience. Peut-être demain, une autre fois, je veux que tu prennes le temps d'y penser et à nous raconter une telle expérience. Je vais, prendre le temps de collecter tout cela. Un des aspects que Baba disait dans le monde d'hier, c'est que vous verrez Lakshmi Narayan se marier, les visions de Lakshmi Narayan, et comment il prendra le royaume. Est-ce que tu te souviens de cela? Nombreuses fois, j'ai vu les âmes aussi, assis sur le trône, des petites cours, des âmes se rencontrant. Je me souviens souvent, c'est les âmes assises sur le trône, donc, ou marcher le matin, et aller dans le jardin, avec de très belles musiques, des oiseaux, la nature, le parfum, les fleurs, les arbres. La nature est vraiment pleine, complète, abondante en fait. Et aussi, so that's why you have to visit and you have to go in Viman, you know, sit in the Viman and go and meet this. Vous asseoir sur le Viman et beaucoup de lampes, elle dit, beaucoup de lumière. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que réellement, c'est ce qui va se passer. C'est très beau. Une des aspects que tu nous as donné il y a quelques jours, et tu demandais qu'est-ce qu'elles font, et tu disais, elles sont simplement. Elles sont là pour le royaume, elles servent. Je pense que c'était vraiment une fondation, un aspect de fondation pour la Lakshmi Narayan. Elles règnent le royaume, et c'est comme si c'est un travail. C'est comme si nous pouvons demander qu'est-ce que Brahma Baba avait l'habitude de faire. Il rejoignait les enfants pour chaque tâche, il donnait sa présence. Quand il marchait, quand il se déplaçait, il allait vers les cuisines. Tout le monde avait cette attention vers Baba. Et je pense que c'est le niveau de Farajanath. Donc vous marchez ici et là, et tout le monde, quand Brahma Baba marchait ainsi comme ça, c'est comme si nous recevions aussi cette lumière et ce pouvoir. Baba donnait le drishti de lumière, et les âmes ressentaient beaucoup de pouvoir. Le drishti, le feu, le générateur, et l'expérience de pouvoir, c'est l'un des aspects principaux de Brahma Baba. Nous devons tous devenir comme cela à la fin. Nous allons juste donner le drishti et donner du pouvoir à travers cela. Cet amour que nous allons ils vont le ressentir à partir de cela. Ils auront ce sentiment d'appartenance à Baba. Parce que pour faire que quelqu'un vous appartienne, vous devez être comme un phare générateur, qui est très important. Cela devrait être fond pour la fondation d'être un phare et générateur. Si nous gardons cette forme, donc en étant ce drishti, que c'est vraiment une âme puissante, une âme très élevée, donc à travers le drishti, donc c'est à ce que les relations peuvent être créées. Et à travers le mansa seva, nous servons à. Les âmes demandent qu'est-ce que nous voulons. Les âmes disent qu'elles veulent juste recevoir des bénédictions.
oh, I was not thinking. But it's true that I got blessings. Donc, Eric parlait de l'image la dernière fois, donc disait, voilà, j'y avais pas pensé, c'était juste, voilà, donner des bénédictions. Didi, a few days back, we were reading the 1971 Abhyakt Murlis. Il y a quelques jours, on lisait la Murli de 71, et dans cela, Baba disait, comment donner des bénédictions, comment être un donneur de bénédictions. Il a dit qu'avec les bénédictions et les sentiments purs, nous devons aussi avoir du pouvoir. Quelle est la différence entre un blessing, les bons souhaits et les sentiments purs? Les blessings et les bons souhaits viennent de l'intellect. Les blessings viennent du cœur. Quand vous recevez quelque chose, vous êtes vraiment très content. Par rapport au bon moment, une âme vient vous aider. Et immédiatement, vous dites « God bless you ». Dieu te bénisse. Ça vient du cœur. Quand il y a une vraie acquisition, quand il y a de l'aide, et les bons souhaits doivent être normales. Les signes du cœur. Quand quelqu'un reçoit de l'aide, quand il reçoit quelque chose, quand vous voyez les âmes servir les Baba jour et nuit, et recevez que Baba donne de l'aide. Votre cœur vient, de votre cœur vient cette bénédiction pour cette âme. Donc quand Baba dit d'être un donneur de bénédiction, je suppose, il ne s'agit pas de donner cela pour les brahmines qui font déjà un travail, mais pour les âmes. Est-ce qu'en regardant quelqu'un, pouvons-nous être un donneur de bénédiction? En nous donnant une carte de blessing, donc nous donnons une bénédiction et nous pouvons aussi lire sur cette carte un blessing, comme un partage, partager un blessing à travers une carte. Ce n'est pas simplement une carte de blessing, mais cela vient aussi du cœur. Et cela fonctionne, ça fonctionne réellement. Nous pouvons être donneurs de bénédictions pour les hommes parce que parce qu'ils donnent quelque chose, mais depuis votre cœur, vous pouvez être un donneur de bénédictions. Nous allons donner des bénédictions à tout le monde. Soyez heureux, soyez emplis de succès, soyez en bonne santé. Ça devrait être nos pensées, notre travail. Toujours avoir des pensées élevées. Qu'est-ce que sont les pensées élevées? Des pensées de bénédiction. Quelquefois, les blessings dans les cartes sont très longues. Mais simplement dire être heureux. Et ils peuvent ressentir cela. Quand vous dites, par exemple, quand une âme dit à une personne, un étudiant passe avec honneur, ou avoir du succès, vos pensées, nos paroles, deviennent des paroles de bénédiction. Quelquefois, je me suis demandé, tes paroles sont comme des bénédictions. Comment faire pour que mes pensées et paroles soient comme des bénédictions? C'est juste donner. Like if you look at someone doing something, vous regardez quelqu'un donner quelque chose, juste dire ça va être ok, ça va être rempli de succès, et vous verrez que c'est ainsi que Didi que nous continuons de donner. Donc vous verrez que les deux âmes ressentent du pouvoir. Vous allez donner des bénédictions. Cela peut réellement fonctionner.
Bhumi Ben, or I should just say hello to her. And that's keeping, making her healthier and healthier and healed her. Donc, elle parlait d'une âme qui n'était pas en très bonne santé, elle voulait juste entendre une voix, entendre la voix. Donc, juste la voix. You can call it blessing. So you can pour faire bénédiction, c'est vraiment comme un... comme une guérison, en fait. Donc, j'aime cela. Didi, you commence avec moi et nous allons continuer ainsi. Yes, and I was watching you also in. Et je te regardais aussi. The transmission from Oxford, it was so beautiful. Avec cette transmission de Oxford, c'était vraiment très touchant. Tout le monde était plein d'émotions quand tu étais là. Ce que je trouve, c'est essentiel. C'est heureuse que Baba nous a permis de faire cela. Karan Karavana. Thank you so much. Merci Didi, merci beaucoup. Merci pour le 1er août. Donc il y a le partage des ancêtres qui sont vraiment très, qui nous aident vraiment pour tout un chacun. Il y a tellement beaucoup de points à partager, nous allons continuer avec cela. Partage des âmes ensemble. बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है Now I know that both of you are theists. Attends, you're a bit junky, Mouni Didi, les ailes de l'âme. J'ai écrit un livre. J'ai vraiment été impressionné par cela. I say that whether someone believes in God or not, quelqu'un croit en Dieu ou non, actuellement, on devrait y croire. It might be because of the way one is. Parce que sinon, il peut y avoir une compréhension et de connaissance, il peut ne pas y avoir de foi envers Dieu. Chacun, assurément, devrait être d'accord avec les valeurs qui viennent. Les gens de différentes fois, il peut y avoir certaines valeurs. La chose la plus importante, c'est d'avoir cette conscience intérieure. Je serai capable de discerner ce qui est fou et ce qui est correct. Vous connaissez le Dalai Lama, n'est-ce pas? J'ai compris cela. Dans ce livre, le Dalai Lama dit que dans le passé, faisait des efforts pratiques pour maintenir une religion ou une autre, mais ce n'est plus le cas. C'est ce qui circule dans les gens dans le monde. Les principes basiques devraient être éduqués dans l'éducation, dans le monde, dans les écoles. Assurément, ce que je ressens, que la chose la plus importante, et d'avoir la vérité dans le cœur.
And one of the important things I always tell. L'une des choses les plus importantes que je dis aux gens, ne pas causer de peine à qui que ce soit, ne cause pas des souffrances, ne prenez pas de peine, qui que ce soit. Ce que vous mettez en valeur, ce à quoi vous êtes d'accord. Donc c'est vraiment très important. Donc s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de croyance. Les valeurs sont importantes dans toutes les religions. Mais les religions ne devraient pas être comme une barrière entre nous pour mettre en place les valeurs aussi. One of the meaning of the religion also. Une des significations des religions est aussi ce que j'inculque, ce que je mets dans mes principes. Et cela peut être basé sur la vérité, non sur la non-violence, sur la violence. Il n'y aurait pas question de religion s'il y avait ces principes. That is why few people do ask. C'est pour cela que beaucoup de gens nous demandent quelle est cette religion des Brahma Kumaris. Et nous disons que nous ne faisons pas partie d'aucune religion particulière. C'est simplement que les gens doivent vivre une vie de valeur, c'est ce que nous enseignons. J'ai beaucoup de bonnes références de l'Inde. Ils m'ont parlé de Dadi. On est très khushi ho rahi hongi. In your book, you say dans le livre, il y a une question de responsabilité de donner. Donc, est-ce que ce n'est pas un choix que nous avons réellement? La responsabilité de. Quand je parle de responsabilité. Actuellement, la responsabilité, c'est un sens de responsabilité. Cela vient de l'amour et des bons sentiments. Quand on met cela comme choix, les gens, quelquefois, que notre responsabilité vient et trop pour notre, mais cela vient de la tête, mais en fait, cela vient du cœur. Parce que nous ressentons une forme de responsabilité. Nous donnons peuvent ne pas être appréciés. Ils devraient être appréciés plutôt. Je pense que nous devrions continuer de donner aujourd'hui ou demain. Il y a certaines personnes qui peuvent prendre des enseignements pendant plus de 20 ans, qu'ils ont pratiqué. Ce que je crois, c'est que nous ne devons pas arrêter de donner. Maintenant, allons vers les murlis depuis 69. Parlons au cœur de l'ange.
Avyakt Murli, 24 mai 71, finir l'opposition en restant dans sa position. Whatever you are, à quoi que vous soyez, à qui que vous apparteniez, restez stable dans cette conscience, signifie le pèlerinage du souvenir. Est-ce difficile? Est-il difficile de s'accepter tel que l'on est? Vous avez oublié la réalité. Vous avez reçu les enseignements pour vous stabiliser dans cette conscience. Alors, est-il difficile de se stabiliser dans sa forme originelle ou est-il difficile de se stabiliser dans sa forme artificielle? Les petits enfants portent des masques artificiels pendant les fêtes de Holi et de Dashera. Si vous leur disiez d'enlever ces masques artificiels et de se stabiliser dans leur forme originelle, cela leur serait-il difficile? Combien de temps cela leur prendrait-il? Vous avez tous joué à ce jeu, n'est-ce pas? Quel masque avez-vous porté? Tantôt celui d'un singe, tantôt celui d'un démon, tantôt celui de Ravan. Combien de masques artificiels avez-vous adopté? Que dit le Père maintenant? Enlevez ces masques artificiels. Qu'y a-t-il de difficile à cela? Ayez toujours l'ivresse de savoir ce que sont votre forme originelle, votre dharma originel et votre karma originel. Nous sommes des maîtres remplis de la vraie connaissance. Cette ivresse est un peu moins forte. Que devenez-vous si vous avez constamment cette ivresse? This intoxication is a little less. What do you become if you constantly have this intoxication? Avez-vous vu le mémorial de ce que vous devenez? Que devenez-vous si vous avez constamment cette ivresse? Avez-vous vu le mémorial de ce que vous devenez? Dans le temple d'Ilvala, il y a les mémoriaux des tapas Vikumar et des Kumaris. Et quel est le mémorial de votre état d'ivresse permanent, Ashanga? En restant constamment dans cette ivresse, vous deviendrez inébranlable, immuable. Devenez stable à tel point que Maya n'est pas en mesure de vous ébranler, même dans vos pensées. Il y a le souvenir de la communauté de Ravan qui a essayé de secouer votre pied et qui n'a pas été capable de le secouer, même légèrement. Avez-vous l'impression qu'il s'agit de votre mémorial? Pensez-vous que c'est le souvenir des grands Maharathis? En ayant la foi dans l'intellect que c'est votre mémorial, vous atteindrez certainement la victoire. Si vous avez des faiblesses dans votre foi et dans la conscience d'être une incarnation, ne pensez jamais que c'est pour les autres Marathi que vous êtes des faiseurs d'efforts. Si vous avez des faiblesses dans votre foi et dans la conscience d'être une incarnation, il y a aussi des faiblesses dans vos actions. Ainsi, chacune de vos pensées doit être constamment remplie par la foi en l'intellect. Avant d'agir, ayez la foi que la victoire est déjà garantie. Vous avez été victorieux pendant de nombreux cycles. Puisque vous avez été victorieux pendant de nombreux cycles et de nombreuses fois, puisque vous êtes devenus ceux qui doivent être enfilés dans le chapelet de la victoire et ceux qui doivent être vénérés, n'allez-vous pas répéter cela maintenant? Vous n'avez qu'à accomplir l'action simplement que vous avez déjà accomplie. C'est pourquoi on vous dit que c'est prédestiné.
que vous n'avez plus qu'à le répéter et accomplir la parole prédestinée. Lorsque vous avez la foi, je suis ce que je dois faire, ceci ou que je peux faire cela, l'ivresse augmente. Si vous n'avez pas la foi, il n'y a pas d'ivresse. Car seuls ceux qui ont la foi avancent dans les vagues. Du niveau d'un océan d'ivresse. Lorsque vous aurez acquis une telle expérience, les autres pourront voir à travers votre forme l'image de celui qui vous enseigne. Alors êtes-vous les images qui ont une telle expérience que l'image du Père et de l'enseignant est révélée à travers votre visage et vos traits? Êtes-vous devenu ainsi ou êtes-vous encore en train de le devenir? Êtes-vous les étoiles du succès ou les étoiles de l'espoir? Vous avez le droit de naissance du succès et vous parlez de l'autorité toute-puissante. Par conséquent, tout manque de succès est un manque de pouvoir. À cause de ce manque de pouvoir, vous êtes vaincu par Maya. Lorsque vous restez dans la conscience du Père de l'autorité, à l'autorité toute-puissante, parce que vous êtes les enfants de l'autorité toute-puissante, le succès est votre droit de naissance. Le succès devrait être présent à chaque seconde. Vos jours d'échec sont maintenant terminés. Maintenant, gardez le slogan du succès dans votre conscience. Om Shanti. Va demain.